Bonjour la France, bonjour la Navarre et bonjour bien évidemment Navarro. J'espère que vous allez bien ce lundi soir pour un nouveau stream, un nouveau Ashram Live où on sera ensemble aujourd'hui pendant 1h30, 2h maximum pour finir aujourd'hui, non pas pour le mot, pour finir normalement carrément ce Sleeping Dogs qui nous attend. Ce Sleeping Dogs qui est un jeu que j'ai découvert sur le tard, je dois bien le reconnaître, et qui, ma foi, déchire à mort sa maman. Bonjour Tony la machine, bonjour Nax, bonjour Octorok et bonjour Grazl. J'aime le logo fait avec la bite et le couteau. C'est fait avec, avec tout mon cœur. Tu me fends le cœur vraiment dire ça. Non, c'est fait à l'arrache, clairement. J'ai fait ça sur Windows Movie Maker. Avant, j'avais un Mac. Alors, le Mac était assez bien foutu avec iMovie qui permettait de faire des trucs assez sympas. Notamment quand je faisais les Ashram Live. Donc, avant que je stream sur YouTube, c'était monté avec, avec ça. C'était pas mal, mais là, voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc, je lance un appel solennel. Si certains d'entre vous sont doués en montage vidéo, mes vidéos YouTube sont en libre accès, n'hésitez pas à faire un générique, ma foi, beaucoup plus beau, beaucoup plus pointu, mais effectivement c'est un logo qui... un générique qui pue du cul. Donc on est ensemble, comme je le disais, pour Sleeping Dogs, un jeu extraordinaire, un hommage au film de John Woo, au film d'arts martiaux et aux Asiatiques qui se tatanent la gueule à fond les ballons. On va normalement finir le jeu aujourd'hui, puisque je suis à 26 missions sur 30, donc logiquement, à raison de 20 minutes, une demi-heure par mission, on devrait finir le jeu ce soir. Grazl. Oups, After Effects. Alors, attends, un logiciel de montage c'est bien, savoir utiliser un logiciel de montage c'est mieux. Je vous annonce déjà que jeudi, donc nouveau stream. Alors il y a demain une conférence Sony pour le TGS, je pense pas que je la streamerai parce qu'a priori on n'aura pas d'annonce, il y aura donc que des trucs qu'on a déjà vus. Donc à savoir du Last Guardian qui a été reporté, à savoir du Nier Automata qui sortira également sur PC. Du Persona 5 a priori et blablabla blablabla. Plein de jeux japonais très cool qui vont sortir sur la machine très cool de Sony. Voilà pour le programme. Donc je disais jeudi, a priori on changera de jeu. Alors soit on partira sur du Abzu, soit sur quelque chose de totalement neuf. Ou alors, et je me dirige peut-être par là, ça dépendra. Ça dépendra de la demande de Forza Horizon 3. Déjà, non, il n'est pas encore sorti, mais il s'agira juste de la démo. Ça m'avait manqué, Grazl, que tu sois là pour dire de la merde. Constamment. Alors, je me suis senti bien seul. Alors, je vais remettre ma gueule. Et le jeu qui apparaît normalement. Je me suis senti bien seul. Samedi, j'ai fait mon stream, donc samedi matin. Alors, je savais que ce serait à double tranchant. Je savais énormément que ce sera à double tranchant. Je vais virer juste... Alors, je vais virer les notifs, parce que sinon, ça va pas le faire si on se tape des notifs pendant tout le stream. Sauf que... Ah, ah, ah. Sauf que... Oh, oh, oh. Donc on va mettre le mode ne pas déranger, c'est encore mieux comme ça. Et on va pouvoir repartir sur Sleeping Dogs. Absolument extraordinaire. Je disais donc, ouais, samedi matin, j'ai fait finalement du Homefront The Revolution, qui est un jeu donc, qui était offert en gratuit sur Steam durant tout le week-end. J'ai pas trop accroché. Le Steam est pas dispo en replay parce que j'ai merdé sur la fin quand j'ai mis arrêter le stream. Le truc a planté et donc ça n'a pas enregistré les replays. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Le jeu n'est pas extraordinaire. J'ai rédigé une critique sur Steam. N'hésitez pas à aller la voir. D'autant plus que ceux maintenant qui font partie du groupe Ashram Alive, je suis officiellement curateur sur Steam. Donc vous pouvez voir les meilleures critiques. Bien évidemment écrite avec les pieds. J'avais encore un truc à dire, je crois. Oui, aussi, je vais tester très prochainement la diffusion en direct sur YouTube. Donc, quand je ferai pas de stream, parce qu'il m'arrive de jouer hors stream, je diffuserai en direct également mes parties sur YouTube, puisque la toute nouvelle version de Nvidia GeForce Experience est vraiment vachement bien foutue. Maintenant, il y a plein de réglages très fins. Ça permet de stream en direct sur Twitch, sur YouTube et sur plein d'autres trucs. On s'en fout. Bref, on est là pour jouer. Vous avez envie de voir du jeu. Reprenons donc la partie. Alors que j'ai super bien dormi, que je suis toujours habillé en Rico. Et ça, c'est la classe. Je vais donc aller tataner des gens qui m'ont rien fait du tout. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Comme dirait l'ami Herbert. Et comme dans tout bon open world qui se respecte, bien évidemment, on choisit sa prochaine destination. On met un curseur dessus. Un marqueur, pour être plus précis. On vole une bagnole. Et on y va. On the road again. Alors, pour voler une bagnole ici, ça va pas être évident. Il y a un parking là. Il y a un parking, mais pas de bagnole dedans. Alors, je vais essayer de voler un truc un peu puissant quand même, tant qu'à faire. Je vais cracher sur tous les jeux de merde de ma vie de tech. Non, faut pas hésiter. Tu te barres alors que je voulais te voler. Rebonsoir Tony la machine, excuse-moi, je t'ai salué quand même. J'ai salué Tony la machine, j'ai salué Nax, j'ai salué Grazl, j'ai salué Octorok. Et si je t'ai oublié, tu m'envoies totalement navré, je serai puni et fouetté sur la place publique.
Alors c'est là qu'on voit que les petits effets de pluie sont quand même sympas pour un jeu qui a quoi maintenant 5-6 ans, qui était quand même vachement cool à l'époque, et qui a pas trop vieilli je trouve. Il a pas pris trop de rides. Alors il y a une version définitive édition mes couilles, oh, qui est sortie il y a pas longtemps. J'y ai pas eu droit parce qu'il n'y avait pas l'upgrade offerte a priori pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Donc voilà, j'ai pas jugé utile non plus de racheter le jeu. Étant donné que le jeu de base est déjà très beau, qui tourne très bien, il est très bien optimisé, blablabla, j'ai fait pareil ma petite critique sur Steam. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais bon. De belles images parlent tout de suite mieux que de grands discours. Ouais. Et Nax qui signale qu'effectivement il est en ce moment en promo sur le PS Store. 7,99€, c'est donné. Moi c'est pareil, parce que je suis un peu con des fois, j'avais oublié que je l'avais sur Steam et je l'avais racheté sur Xbox One, pareil à vil prix, un truc genre 10-15€. Et pour le coup c'est la version définitive édition, et que je ne ferai pas pour le coup sur Xbox One. C'est l'arrivée à destination en un seul morceau. C'est là qu'on peut voir que le frame est vraiment surpuissant dans le jeu. Il est même complètement abusé, c'est fait exprès, c'est caricatural. On parle bien du même là sur le jeu trop court, mal exploité. Hop! Et la prochaine mission maintenant. Alors que ça tabasse, ça m'arrave. Putain, c'est reparti pour la bagarre à main nue. Truc que j'aime moyen dans le jeu, en fait, à vrai dire. Sauf qu'encore heureux, en cours de jeu, en récupérant des attaques assez puissantes, en allant dans les dojos. Genre de truc comme ça, hop, les contres. Ça gère sa mère. Hop, alors lui, je l'attrape. Je vais péter la gueule. Le moteur. Alors lui, je vais... Non, lui, je peux pas attraper, il a un couteau. Sims legit. Lui, je vais attraper. Et lui, je vais le mettre... Là. Et les attaques environnementales sont bien foutues également dans le jeu, je trouve. Hop, un contre. Il faut être vachement précis sur les contres. C'est pour ça que le système, plus que du Batman ou du Assassin's Creed, me fait énormément penser à du Mad Max, même si Mad Max est sorti après, donc pour le coup c'est Mad Max qui s'est inspiré de Sleeping Dogs. Le chasser, j'adore. Après, une fois que t'as récupéré le couteau, ça se passe tout de suite mieux. Oh, tu peux même maraver les alliés, ils s'en foutent, ils disent rien. Ah non, c'était pas un allié, autant pour moi. Oh putain, ouais. Alors il y a des mecs qui font des chocs, même si je vais pas le laisser faire. Alors les mecs qui font des chops, t'as énormément de mal à les choper. Sleeping Dogs 2, alors a priori c'est pas dans les tuyaux parce qu'il a pas super bien marché, puis le développement était un peu chaotique. Alors parce que si j'ai bien retenu, c'est pas Square Enix qui s'est occupé du développement à la base, ils ont pris la licence en cours de route. Qui était assez catastrophique apparemment, enfin le développement en tout cas très chaotique. Et... Alors lui je peux... Je peux aller là-dedans, j'y arriverai pas. Je vais lui donner 2-3 coups. Putain, il m'en reste encore 2. Alors je vais même me payer le luxe d'aller ouvrir un coffre. Au niveau de l'ambiance, on y est clairement. Sleeping Dogs Pro Edition. Putain, ça a pas commencé à troller la PS4. Je vais avoir des problèmes après. Il est avec moi, lui. Il est avec moi, connard. Hop, petit chassé. Et les gunfights sont vachement bien aussi. Alors, ils apparaissent vers la moitié du jeu. Allez, faut que je me concentre là, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Contre. Contre. Ah, tu loupes un contre dans le jeu, t'es mort. Faut dire que mes petits potes m'aident pas, ouais, c'est... normalement ça m'a remis un peu de vie, ça. Alors, légèrement. Lui, il est mort.
Oh. C'était juste. Et il m'en reste un. Et voilà, c'est fait. On parle bien de Sleeping Dogs, on est d'accord. Voilà, True Crime, merci. Je me rappelle plus du nom qu'il avait. Originellement. Mais ouais, c'était ça, True Crime. Mais c'était pas le 3, c'était le... On était déjà au 3 de True Crime. J'avoue que j'avais pas trop suivi le projet. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai découvert le jeu 5-6 ans après sa sortie. Oh putain, atteindre le Golden Koi. Il me reste 20 secondes. 300 mètres, ouais, c'est jouable. Je vais essayer de pas faire de fail sur le stream aujourd'hui. Oh, 14 secondes. Putain de circulation. Putain de circulation. Putain de motard. Putain de... Putain de piéton. Ça gère. Ça gère. Alors, on va se taper un gunfight justement. Avec le système de cover très traditionnel. Oh! Allez! Alors je m'excuse pour le jeu fenêtré, hein, c'est Sleeping Dogs qui pour le coup est pas. Il aime pas trop en fait. Le plein écran. Entrez dans le Golden Koi. Sans faire mitrailler la gueule. C'est vrai qu'il pourrait faire un Trinité en jeu vidéo, mais voilà, je trouve que le thème cinéma Hong Kong a pas souvent été exploité, en tout cas pas en open world. Donc du coup, c'est vrai que c'est dommage, on se tape souvent du GTA et qu'on sort. Oh, j'ai plus de balles, merde. C'est qu'il y en a là. On a prochainement le Mafia 3 qui arrive, qui a l'air vraiment très bon au niveau de l'histoire. Il a l'air de bien transcrire la Nouvelle-Orléans. Qui a en plus une thématique assez intelligente. Alors, d'après les premiers tours que j'ai lu plutôt sur notamment jeuxvideo.com, pas hésiter. Le jeu est très très bien scénarisé, il y a vraiment une très bonne ambiance, mais il est assez dur, c'est-à-dire il y a un gros disclaimer juste avant le jeu, en disant attention, ça ne représente pas nos avis, nos propos, machin et tout, parce qu'il faut savoir que le jeu se passe à une époque qui était relativement raciste, on va dire. Et donc voilà, le héros se fait appeler plein de fois nègre, je vous passe tous les détails, donc voilà, c'est un jeu quand même à pas mettre entre toutes les mains, qui peut choquer, qui va choquer, et je pense qu'on va encore se taper une polémique à la con, donc voilà, il faut être conscient de ce qu'on achète. Moi je trouve ça assez bien cette prise de risque d'avoir voulu retranscrire pour mieux dénoncer justement cette période des heures sombres de l'humanité. Le Mafia 3, ouais, c'est Day One, et Day One en stream. Alors elle, la meuf qui est là-bas, si vous vous souvenez du jeu, c'est celle qui s'amuse à découper à chaque fois les mecs que je lui amène et qui les fait en soupe. C'est difficile à dire pour le collector vu que je prends mes jeux en démat maintenant. Fusil anti-émeute, ouais, il y a 10 balles. Ouais, là, du coup. 40. Oh, il y a bien aussi. Par contre, voilà, sur ce genre d'arme, c'est difficile d'avoir une visée précise. Lui, il est avec moi. Le viseur a beau être rouge, tu sais jamais très bien où tu es. Merde, j'ai buté un partenaire. Plutôt changer de flingue. Hop. Il est où le dernier? Il était là. C'est vrai que l'ambiance dans le 2, c'était plutôt de la mafia italienne, mais c'est vrai que ça faisait moins, enfin ça faisait tout autant aussi peu dans le détail, mais c'est vrai que bon, c'était une époque où enfin, c'était des rituels, il me semble que de même on les appelle une fois ou deux macaroni dans le jeu, mais enfin c'est pas, ça allait pas non plus extrêmement loin. Là c'est vrai qu'on a tous les problèmes, bah,
chiant, machin, enfin, c'est vraiment une sale période, et justement, c'est ce qui donne un petit côté un peu mature au jeu, intéressant et peut-être, pourquoi pas, éducatif, je vais un peu loin dans ça, mais qui pourrait faire réfléchir les jeunes générations. C'était le petit moment We Are The World du stream. We Are The Children. Le mec qui dit faites la paix pendant qu'il est en train de faire des headshots. Normal. Retrouvez Conroy sur le toit du Golden Koi. Pour l'instant, c'est un sans fail. Ça ne me ressemble pas. Je pense qu'il va pleuvoir de la merde. Non. J'ai le tapé. Rital, c'est pas... Non, c'est pas ultra péjoratif, c'est vrai. Beaucoup moins que Negro, faut dire ce qui est. C'est au niveau de l'échelle des valeurs. Non mais que... Enfin... Oh putain, ça pète bien. J'aurais pu comprendre qu'il fasse du gentillet parce qu'il faut quand même rester politiquement correct, machin, que ça reste un jeu vidéo du divertissement, mais du coup je trouve ça bien effectivement qu'ils aient pris le risque de vraiment y aller à fond. Quoi. Vraiment faire un jeu dont le propos est justement cette période et d'avoir peur de rien. Mais c'est vrai que c'est très risqué parce que en ce moment, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis avec les Black Blocs, je sais plus comment on appelle ça. Il y a quand même certaines tensions qui risquent d'être ravivées par les propos du jeu, dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, je trouve ça bien qu'il le fasse, enfin, clairement. J'adore le mec qui parle de paix tout en tout à coup balançant des roquettes sur les gens. Normal. On va switcher. Bam. Ouais, il m'en reste que deux, va falloir que je fasse. Bam. Appui. On repasse sur le fusil d'assaut classique. Je suis pas si mauvais pour une fois, je me demande vraiment ce qui se passe. Ou alors c'est que le jeu est vraiment très bon, avec une excellente visée. C'est pas impossible non plus. Je vais vite être à court de balles, je pense. Non, en parlant de balles, de fusillades, etc., je vous recommande, si vous n'avez pas encore vu vraiment le Narco saison 2, vraiment excellent, excellentissime. Didier Bourdon joue super bien dedans. Alors il faut déjà que j'échappe aux flics. Alors premier, je vais lire le chat juste après. Comment vous dire, je suis un peu en plein de quelque chose là. Et course-poursuite, pour être clair. Alors, je pense que chez vous, vous devez voir le jeu défiler en 30 fps, mais je vous garantis qu'il est bien 60 ici. Les voies de la compression du stream sont impénétrables. Putain. Alors la police, ça va, heureusement, n'est pas trop coriace dans le jeu. Juste ce qu'il faut. Ce que j'aime aussi à chaque fois, voilà, à chaque fois que tu percutes un parcmètre, tu récupères la thune qu'il y a dedans, c'est tout con, on avait failli penser. Voilà, j'ai semé. Le prochain Paper Mario, non. Je suis pas Nintendo à la base, hein. C'est pas un secret. Après, voilà, j'attends de voir la NX. A priori, elle va utiliser les cartouches. C'est assez étrange comme choix, pourquoi pas. De toute façon, à une époque où on est au tout des maths, que ce soit cartouches, DVD. Disquette, ouais. Je veux dire, ça m'importe peu, j'attends vraiment voir la proposition et le type de jeu qu'il va y avoir dessus. Je dis pas mon entrée comme j'ai fait avec toutes les consoles Nintendo jusqu'à présent, donc pourquoi pas. Alors que là, je suis vraiment en train de faire de la merde. Hop, attendez, il y a un coffre là. Toujours prendre le temps de récupérer un coffre. Alors il y a certains coffres, ils se déverrouillent comme ça tout seul, il y a d'autres coffres, il faut faire une espèce de mind jack, ou je sais plus comment il s'appelle, mastermind, voilà. On donne les bons chiffres, s'ils sont dans l'ordre, s'ils sont pas dans l'ordre, ce genre de conneries. C'est vachement sympa. Les mini-jeux sont vachement sympas, mais ça me fait penser également à Sound Mafia 2. Alors j'ai pas fait le premier, je veux pas faire le puriste, ouais Mafia c'est génial, j'ai jamais fait le premier. A priori, de ce que j'ai entendu, il a vraiment extrêmement mal vieilli, mais c'est vrai que dans ma culture perso, il faudrait que je le fasse un jour. Et je me suis donné, alors c'est pareil, je streamerai quand j'aurai un peu de temps, mais déjà après les grosses sorties de fin d'année, je vais refaire mes 3 Witcher d'affilée. Alors,
pour une fois, un peu un marathon. Vous savez comment je suis lent. Mais ouais, j'ai envie de me refaire les 3 Witcher de pied. Surtout, j'ai jamais fait le 2, enfin jamais entièrement. J'ai toujours lâché le jeu très tôt parce que j'aimais pas du tout le gameplay. Le 1, donc, doit encore avoir encore moins bien vieilli, être encore plus rigide. Mais j'aimerais bien me faire les 3 les uns sur les autres avec tous les DLC. Enfin, bref, la totale. Ma fille, il faudra vraiment que je le teste grâce là. Ricky. Walk easy, please. Walk. We have to talk. I got nothing to say to you. Calm down, okay? Listen. Ah non, moi j'ai pris au premier degré Octo pour le Paper Mario. Je suis devenu premier degré avec Nintendo. Difficile de regarder Narco, ma femme colombienne aura le cul de voir toujours la Colombie associée à la drogue. Bah, à cette période de l'histoire, malheureusement, c'était un peu le cas avec le cartel de Medellin. Gustavo. Ceci dit, t'as dû couper, c'est là, parce que dans la série, en tout cas, elles sont tombées. Voilà, voilà, c'est tout avec la vie personnelle. Mettez pas à plaindre, on grase là. Ouais, j'ai bien peur qu'avec The Witcher 1, effectivement, ça soit un peu compliqué. Alors, j'ai beau avoir la Unencent Edition. C'est pareil, je pense que je vais refaire un petit coup Skyrim, ou en tout cas les DLC. J'avais jamais fait les DLC. Je vais profiter de la sortie de la version remastered pour faire les DLC que je streamerai également. Skyrim, je pense pas que je vais le refaire. Je l'avais fait une première fois sur PS3. Je l'ai refait sur PC. Donc, c'est bon, on va peut-être arrêter là. You better keep a low profile for a while. Yeah, yeah. All right. See you. Lui dit-il dans sa caisse toute explosée. Et hop, une mission, une demi-heure de stream. C'est plus ou moins ce que j'avais annoncé. Une demi-heure par mission, il en reste 4. Ça va nous faire les 2 heures. Attaque d'orc. Je dépense quoi? On va finir la ligne. On va finir la ligne des points dépensés. Et j'ai envie de voler une moto. Tiens, viens ici. Il est trop loin, si seulement j'ai le grappin. Tant pis, ce sera un taxi. Non, non, il y a une moto derrière. Ça, oh, c'est un scooter. Oh, dégage. Prochaine mission. Où te trouves-tu, putain? À l'autre bout de la ville, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Oh, le vilain bruit. Le mec obligé. Ah non, il y a une moto juste derrière. Dégage. Je crois pas, il est en train de tuer l'autre. Je te roule dessus, pour la peine. Ça ira beaucoup plus vite, je pense. Un petit peu plus vite, en tout cas. Et on reparcourt ces rues magiques. Les rues qui n'ont pas de nom. Comme aurait dit U2. Putain, j'ai eu de la chance de pas voler, là. Il y a également Dead Rising, le tout premier qui était sorti à l'époque sur Xbox 360, qui sort, je crois qu'il est sorti aujourd'hui d'ailleurs, que c'est pareil, je vais essayer de faire. Alors à l'époque je l'avais lâché tellement il était violent, violente difficulté, je vais essayer de le refaire également. Ça fait partie des jeux que j'ajoute sur ma liste à streamer. J'étais resté complètement frustré au tout premier, oh putain, tout premier psycho. Il va me rouler sur la gueule, il me roule sur la gueule. Le tout premier psychopathe que tu trouves, alors que la moto j'ai eu un accident mais elle s'en fout, elle reste là debout, normal. Ouais, donc je disais, les tout premiers psychopathes qui sont en jeep avec le fusil à pompe et qui canardent dans le parc central du centre commercial, j'ai été complètement traumatisé. C'est pas passé bon, c'est pas passé bon. Je m'en fous, je fais du contresens. Et là, c'est le drame. Je vais encore me faire jeter de Twitch à cause de la VO du jeu. Tchou. Ah. Ah. Coup de bol. Alors la moto est sympa, par contre c'est vrai que tu pars vite et que tu fais vite de belles chutes bien sympa, alors que le flic s'en fout complètement. Je pète la grille juste devant lui. Parc-mètre. Feu tricolore. Ah, il y a tout qui prend cher dans le jeu.
Donc on aura quoi d'autre? On aura bien évidemment Watch Dogs 2 en fin d'année. On aura Gears 4, pareil, novembre, si je ne m'abuse. On aura Forza 3 le mois prochain. Mafia 3 le mois prochain. Infinite Warfare, novembre, si j'ai pas de conneries, donc voilà, il y a vraiment quoi faire en stream d'ici la fin de l'année. Pour en plus refaire du backlog des vieux jeux. Les indés le samedi matin. Alors je dis ça, j'ai commencé mon premier stream le samedi matin en faisant un jeu pas du tout indé, j'ai l'impression de tourner en rond là. Ou alors écarté sur centre. Parce que c'était Homefront, mais c'était exceptionnel, c'était offert le week-end, j'ai envie de le faire, blablabla. Si, je tourne en rond. Reprends-toi, H. À un moment donné, t'as dû merder. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. J'étais juste à côté, maintenant je suis à... Je te tourne en rond, on est d'accord. Moi, je crois qu'il y a un problème de fléchage, parce que maintenant il me remet à 1,2 km. Bon, c'est pas grave. Ça nous permet de faire une petite balade avec la musique absolument pas du tout exceptionnelle. Alors la musique pour le coup est oubliable. Alors il y a un truc cool pour les deux au fond qu'on Xbox One, c'est-à-dire à peu près personne je crois dans le salon de chat, à moins qu'il y ait des lurkers. Je suis de nouveau en train de tourner en rond. Il y a un gros problème là, il y a un gros problème de fléchage. Ouais, il y a un énorme problème de fléchage, donc je vais tourner à gauche. Oh, on va le faire à la mano. Alors, est-ce que c'est par ici que je dois aller? Ah là, c'est déjà mieux par là. Logiquement, là, on est bon. Putain de fléchage de merde. Donc, je vais juste resetter le truc. Ah, il veut pas. Ah, il va me faire tourner en rond, définir point de passage. C'est de le faire en regardant directement sur le GPS. Oh, on va couper. C'était pas une bonne idée, non. On peut pas couper par là. Doua. Tourne en rond si je vais là. T'as me fait repartir totalement en arrière ce con. Oui c'est normal. En fait pour bien faire je devrais prendre à gauche. Gauche. C'est la première fois que je vois un bug comme ça dans le jeu, très honnêtement. Non. Dégage. Chose à faire, parce que... Si, c'est pas mal.
Non, j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée. Je repars au cimetière de merde. Putain, c'est pas possible. On va faire autrement. Hop, on va faire ça. On va reprendre parce que là, il y a le truc qui pète complètement les plombs. Non, c'est pas drôle du tout. Ça fait rire que toi. Putain, encore un nouvel appart. J'ai combien de baraques dans le jeu? Alors, oh ouais, putain, j'ai repris là. Salut. Donc, logiquement. Ah, c'est une planque où j'étais. Logiquement, maintenant, si je fais ça. On va voir ce qui se passe. Enterré vivant. Ce serait bien qu'il me mène à destination. Ça va faire 10 minutes que je tourne en rond, sans déconner. Alors. Putain, évidemment, il n'y a pas de voiture. De toute façon, c'est par là que je dois aller. C'est vrai, c'était pas un bug? Non, mais j'ai l'habitude de toute façon d'accuser le jeu alors que c'est moi. Non, mais il me pointait pas du tout dans la bonne direction, c'est ça le problème. Mon sens de l'orientation légendaire, encore. Encore fait des siennes. Bon, a priori, ce sera pas comme ça dans Mafia 3 parce que il a l'air quand même plus. Le terrain de jeu a l'air plus restreint. Ouh, une petite Shelby. Relax, don't do it. C'est ancienne Sro, je crois qu'il y a Frankie Ghost Hollywood. To Hollywood. En mode original. Ouh, je me suis fait venir. Ah. Ok, je sais où j'ai merdé là. Non, je continue tout droit. J'ai fait une minute et quelques sans accident. Ce qui est pas mal. Parce qu'il y a toujours des espèces de petits défis sociaux qui sont pas mal d'ailleurs. C'est pareil, à mon avis, sur Mafia 3, je vais me faire jeter très souvent de Switch. Avec la BO. Ah, c'est bon, je suis bien sorti là. Hey man! Qui veut absolument aller jusqu'à son point d'arrivée en bagnole. Je ferai savoir. J'irai en bagnole. Ah, il faut savoir aussi que tu peux pas aller dans l'eau dans le jeu. Tu vas dans l'eau, tu meurs. Non, ça buguait pas. Ça buguait pas, j'ai pas pris la voiture dans mon garage parce que je préfère envoler. C'est en jeu, un badass ou une badass jusqu'au bout. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pedro. Right? He's cut you off. This is your last chance to come in. What? This well, is what's the he last gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Of course. Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cover? I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendrell. Jackie, not now. I'm busy. Mr. Shen, we have your friend,
Ouais, ton ami déconne pas. Look, it's Jackie, I need to go. Wait. Wait. Dis oui. Oui. Viens à l'entrepôt d'Aberdeen, seul et sans armes. Parce que j'ai pas le choix. Pouffe le cascadeur. Choper une bagnole. Hello. Hop, hop, hop. T'es calme. Cette violence. Attends, on va me péter la gueule à mon avis. Hold it right there. Put him down, new shoes. Try anything and your friend dies. Ah, peut-être pas. C'est une petite cutée quand même. Oh, he's clean. Where's Jackie? Go ahead. The man is down there. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Bah, il y a plein de bonnes idées en fait pour un 2. Pour un Sleeping Dogs 2. Non, c'est pas là. Prendre la moto quand même. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Dommage. Oh, pour le coup, j'ai vraiment poncé le jeu ce week-end. J'ai dû jouer 7-8 heures ce week-end. Plutôt 8 que 7. Ce qui fait quand j'ai commencé le stream lundi dernier, s'il était quasiment fini. Ah ah, c'est con, j'aurais dû aller prendre d'autres techniques en. Parce que quand tu rapportes, à chaque fois que tu rapportes un dragon de Jed, tu peux apprendre une nouvelle technique. Sauf que j'ai dû en cumuler 6-7 que j'ai toujours pas rapporté. Ce qui m'aurait permis d'avoir un peu plus de techniques là pour battre face à ces. Oh. Non, je vais plutôt attendre qu'il frappe et faire des contres. Jouer sur les contres, c'est plus efficace. Ah oh. Contre. Et c'est un mec qui fait une chope, putain. Ah oh, putain, encore. Non, 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 pas le suplex. Oh, dégage. Oh. Oh putain. Oh. Pas encore. Oh, arrête ça. Vas-y, attaque. Ah non, je voulais le pousser dans les câbles électriques. Tout n'est pas possible. Hop là! Les gens, ils sont peut-être trop cons, mais je les ai battus. Putain, merde, en voilà un autre. Attends, attends, je vais aller prier là d'abord. C'est un truc qui va me donner plus de vie si je le fais bien. Hôtel de santé, plus qu'à en trouver. Et ma vie va augmenter d'un quart. Ceci, pourquoi je peux pas utiliser mon flingue, effectivement, c'est les parties combat main nue sont imposées, plus ou moins scénaristiquement parlant. Oh, 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 coup de pied circulaire, mon préféré. Je l'ai appris au dojo, celui-là. Il marche pas à tous les coups, loin de là. Allez, vas-y. Oh.
Bah t'es horse face. On dirait qu'il a plutôt du caca sur la tête. Ah, il évite toujours mon coup de pied circulaire, le con. Vas-y. Oh ! Et merde. Vas-y, attaque. Oh ! Et merde. Where's Jackie? You're never going to find me. Ah ouais, bien. Stop. Eh, on voit rien. Where's Jackie? Where's Jackie? I don't know what they did with him. What do you mean you don't know? I was just with a kid. Oh, c'est circulaire du pauvre, comment il est mal foutu. Mais en 60 FPS. Who the DY? H&K's head enforcer. How do I get to him? I don't know. I only talked to him by phone. Tell me, and I might let you live, you stupid fucker. I only talked to him on my phone. Here, take it. Ça fait mal. Retourner dans la rue pour avoir. Mais, alors c'est bon, j'ai tout pris. Y a rien d'autre qui brille. Monsieur Lee. Dr. Jones. C'est pas rien à voir, ça me donne envie de revoir Indiana Jones. Et le temple maudit. And the Temple of Doom. Sans, dès qu'il y a le mot Doom dans quelque chose, c'est super cool. Y'a pas à chier. Ah non. Alors ça voilà, c'est une fameuse séquence d'analyse. Donc je choisis un quartier où je vois le signal, et là faut que je vois en fait quelle icône reste. Malgré mon changement. Celui-là il change, celui-là. Celui-là il reste. Voilà, je scanne. Scan réussi. Et maintenant j'ai localisé le mec. Il ne reste plus qu'à lui latter la gueule. D'abord à voler une voiture. Hop 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 hop. Par ici, madame. Bonjour, police nationale, veuillez sortir du véhicule. Je m'en fous de vos papiers. Arrête, toujours le dessus. J'ai pas fait exprès, mais j'avais prévenu en même temps. Pardon, monsieur. Oceans. Qu'ils ont... Ah, ils sont sur Netflix, c'est Oceans. J'avais bien aimé. Ah putain, c'est complètement déséquilibré, les mecs sont en moto et... Je suis dans une vieille familiale. Bon, on va essayer. Ah, j'ai même pas le flingue à dispo. Putain, ne perdez pas votre cible de vue, ouais, tu mets 24. Ça va être compliqué, là. Putain de petit con. Ah non, là, ils font exprès de ralentir. Putain, quand je crois que je vais... Ne perdez pas votre cible, putain, je suis juste derrière. Tiens, il y a moins. Oh ! J'essaie de leur rentrer dedans, c'est pas évident. Ne perdez pas votre cible. Attends, c'est pas celui qui est devant moi. Ah non, putain, il protège la bagnole qui est tout devant. Putain, laisse tomber. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible avec ce véhicule tout. Oui. Fuck. Alors normalement ils vont... Parce que le jeu est intelligent, quand tu recommences ce genre de truc que tu rates, il te donne une bagnole un peu plus adaptée. Manifestement c'est pas le cas. Bon, elle est pas extraordinaire. J'ai juste perdu la cible, c'est peut-être une moto qu'il faudrait que je chope. Mais il est où le mec que je suis censé attraper? Putain, il est super loin en fait. À ma décharge, grâce, je suis à fond sur l'accélérateur. C'est une moto qu'il me faut. Ah, mais oui! Non. J'ai compris ce que le jeu voulait que je fasse. Faut que je prenne le contrôle d'une moto. Non, d'une moto. Oh!
c'est bien. Ne perdez pas votre cible, putain, je suis juste à côté. Déconne pas. Putain, il est où le con? Putain! Ah, ça va. Le jeu est sympa, il y a un checkpoint. Je savais qu'il était dans le magasin, cet enculé. Il y a beaucoup de courses-poursuites comme ça, avec beaucoup de séquences d'escalade. Oh, ça va, je trouve qu'au niveau des fails, je me défends. C'était des fails, mais qui n'étaient pas justifiés. Oh oh, cascade, action, Fakir Boone. Par contre, il commence à me casser les couilles. Je peux même pas lui tirer dessus en courant. C'était vachement bien les Oceans, enfin pour revenir à ce que tu disais. Par le 3 qui m'avait moins marqué, mais le 1 et le 2 étaient très bons. Bon c'est bon, arrête-toi. Oh putain, il fait exprès. Ah oui, il fait... Ah non! Pourquoi t'as fait ça? D'où te vient? Quelle est cette initiative? Putain, il y a encore un hôtel super cool. T'as rien à foutre, j'augmente ma vie d'abord. Oh, laisse-moi prier. Piece of shit. Je veux le couteau. D'où je peux pas. Tiens, gras double. Oh. Et merde. Le premier est meilleur, on est d'accord. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Oh. T'es encore heureux que je venais d'augmenter ma vie, hein. Putain. Allez, hop, 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 qui l'en veut? Hop. Oh. Oh. Tu as vu comme tu te comportes avec moi? Ah. J'aime pas le gros. J'aime pas le gros parce qu'il fait de la... Il fait du catch. Tiens. Il fait de la lutte gréco, man. Oh. Putain, il a du mal à mourir en plus. Oh merde. Je vais attendre qu'il m'attaque pour lui faire un contre. C'est bon. Il en reste un. Oh! Non! Tiens, tiens, please! Déconne pas! Putain, il est pas mort. Oh! Oh! Putain! Oh! Ça fait du joli coréen, n'empêche. Je voudrais pas que c'est moi qui joue. Hey Toudou! Bienvenue à toi! Excuse-moi, alors, pour tout te présenter, l'écran sur lequel je joue est là, et l'écran sur lequel vous êtes est là. Pendant que je joue, je suis concentré, c'est vrai que je peux pas toujours regarder, bref.
Je suis pas du tout en train de t'ignorer, sache-le. Notre amour restera jamais. Je souffrirai trop si tu revenais. Retrouver vieux crabe à Kennedy Town. Pour ça, je vais voler. Pas classe du tout. Ouh, pas maniable du tout non plus. Ouh. On dirait pas, mais c'est un jeu qui demande de la concentration. Certaine concentration, mon cher Toulou. Surtout quand tu roules sur des engins aussi ridicules. Il y a un truc là-haut. Ah là là, ça marche pas, ils étaient sous bidon avec moi, tu vois, là je t'ai vu, j'ai tourné la tête. C'était, je prenais un risque trop énorme de failer. J'adore faire ça, ce genre d'arrivée. Monter sur le bateau. Si je saute de là, je vais... Ouais, je vais mourir. Si je saute de là, non. Ok. Oh putain, très très belle chute. C'est GTA Made in China, c'est un peu ça, ouais. À l'époque, il a été vu principalement comme une copie, comme une contrefaçon chinoise. mais non, il dit, c'est très, très bon jeu. Oups. Course poursuite, j'ai tout en nom. C'était sur GameCube trop calme, donc c'était bien froid alors. Vous aviez raison. Je me souvenais pas du tout des. Alors les deux premiers m'ont complètement échappé. Là, sur GameCube, ça ne me rajoutait pas. Pendant GameCube, je sais pas si vous avez vu passer le remake de GoldenEye, qui a été interdit bien évidemment par les studios. Et il avait l'air vraiment bien. Et en fait, il a été fait par Microsoft avec Rare. Il devait sortir sur Xbox One et Nintendo a interdit le truc, ce que je trouve abominable. Quitte à prendre des royalties sur le jeu. Et c'est un truc qui était fait avant tout par Rare pour les fans, en partenariat d'ailleurs. Alors, je crois que Microsoft avait participé au développement, c'est complètement nul de ne pas l'avoir sorti. J'essaie d'échapper à la police hein. Tiens. Putain. Sur l'île de magazine. In the streets, bla bla bla. Pas entendu avec le bruit trop fort du jeu, je parlais de GoldenEye et du remake qui a été fait par Rare et Microsoft et qui devait sortir sur Xbox One et que Nintendo a interdit. Donc, si le son du jeu est trop fort, je vais diminuer un peu. Normalement ça devrait être un peu plus bas maintenant. Et je me fais encore une arrivée. What the fuck? Oh putain, j'ai fait bugger le jeu. That's life, motherfucker. Creuser. On s'entend même plus écrire dans ce chat. C'est vrai que j'ai mis le micro au même niveau que l'audio, mais alors c'est le micro que je devrais mettre plus fort. Et le son du jeu est moins fort. Comme ça. Fuck.
Ah, c'était du remake officiel, non? Avec Daniel Craig. Daniel Craig, la classe de Dallas, dans le rôle de 007. Putain, la mission qui se finit jamais, quoi. Il me restait 4 missions à faire, j'ai l'impression qu'il va me falloir des heures, et des heures, et des heures. Oh putain, des heures. Encore une fois, désolé pour l'affichage fenêtré qui fait qu'on ne pouvait pas profiter à fond des graphismes, mais vachement bien foutu. Ça rend pas honneur au jeu. Dolphin, my bro, Dolphin, yes. Best émulateur ever. Le PC, cette machine qui permet de rejouer au jeu depuis Amiga jusqu'à GameCube, Dreamcast. On n'est pas encore au top sur l'émulation PS3 et même la première Xbox. Tu parais plus chauve que la dernière fois que je t'ai vu, c'est-à-dire IRL, oui. J'ai complètement rasé avec un Rimbaud. Ce qui me permet en fait de gagner, parce que alors, d'habitude, 36-15 My Life, on s'en fout, je rase au rasoir électrique. Et je vais le faire deux fois par semaine pour que ça a l'air plus ou moins potable. Et là, j'ai la technique maintenant, c'est pour le faire qu'une fois par semaine, j'y vais au rabot. Comme ça, le temps que ça repousse. Ouais. Alors là, c'est bon, j'ai eu toute la ligne. Et là, ben, on va faire... On va suivre la logique maintenant. Mon cher Tang. C'est vrai que tout doux et grasle. On s'est vu IRL. J'ai eu la chance de voir... C'était chenapin. Alors... Nouvelle affaire disponible. Ça ressemble à la mission principale. Putain, 2 km. 2 km. Enfin, je me trouve un bon bolide pour faire ces 2 putains de kilomètres. C'est là que je me rends compte que... Enfin, je me rends compte. Dans les open world, on passe plus de temps à rejoindre les lieux de mission qu'à faire les missions à proprement parler. Puis là, alors, paye ta voiture familiale. Hop, 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 je vais plutôt prendre la moto. Jamais été autant motard que dans le jeu. Et il sort le casque de son cul à chaque fois, ça c'est magique. Oh, cabre! Oh putain, fais pas le con. Allez, oh! M'en fous, j'ai fait une roue, je suis content. On attend encore que Nax et Octo viennent à Paris, ouais, parce que sinon on va être obligé de se déplacer. Enfin, tant que Nax ou Octo offrent le couvert et le gîte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Passage souterrain? Non, je fais pas de saisie de drogue, moi. La drogue, c'est le bien. Il faut être drogué pour jouer à ce jeu. Oh putain! Et bien évidemment, Octo n'est plus sur le stream. Maintenant que ça parle d'IRL. Et Nax doit être là. Du coin de l'oreille. Oui, parce qu'on peut se masturber en écoutant Ashram Alive. C'est pas complètement incompatible. Tu coupes le son d'Ashram Alive ou tu le laisses en fond sonore. Et tu peux tranquille sur ton autre écran aller sur YouPorn. C'est le gros avantage. Je suis pas exclusif, je le prendrais pas mal. Et puis bon. Rares sont les streamers qui peuvent prétendre on se branle devant mon stream. Et ça, c'est beau. Je rappelle que ce stream est interdit au moins de 18 ans, bien évidemment. Si vous êtes là malgré tout, c'est que vous avez passé outre le disclaimer qui était là sur la page d'accueil du stream. C'est moche. Nax, si tu me payes le TGV, le trail 4 étoiles, je veux bien. Putain, en plus, il a des exigences. Alors, ceci dit, alors, je suis sûr que, autant avec Graz et les Toudou, on a forcément beaucoup parlé PC. Master Race Forever. Autant, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je fais pas de l'allèche. Hein. Il y aurait beaucoup de conversations intéressantes avec Nax. Parce que c'est quelqu'un de vraiment intéressant à lire. Que ce soit sur Skype, que ce soit sur le chat. Qui a une bonne culture vidéoludique. Désolé de voir comme il laisse passer la moto en ses couilles et puis. Tac, il jette le casque. Je m'en bats les couilles. Grand seigneur. C'est beau.
Ah mais je me prends en regardant la tête de grand de H, ça m'excite. Je suis partagé. Mais je vais prendre ça comme un compliment. Max, c'est un chacal qui veut pas venir voir les autres. C'est bien pour ça que je proposais pour que nous on y aille. Après, je suis pas exigeant, Anax. T'as un petit bout de jardin où il y a moins de planter une tente quechua. Je suis pas encombrant. C'est quoi cette réputation? L'alerte enlèvement. Ouais. Je suis revenu au bureau de police, hein. Alors, elle est où ma prochaine mission? Évidemment, elle est à Perpète. Je la vois pas. Pourtant, je la vois sur le radar en bas. Vous la voyez pas, elle est derrière ma gueule. Des fois, il faut un petit temps que ça apparaisse. Donc, logiquement, elle doit être par là. Oui, elle est là. Nouvelle piste, kidnappeur 1. Ça, mon massage. Tac. Ben voilà. Vous aimez ce que vous voyez? Putain, c'est Nightbot. Je me suis dit, merde, il y a quelqu'un qui est en train de faire ma pub. Comme ça, for the lols. Non, non, c'est Nightbot. Tchoup! Oh putain! Oh ça va vite! C'était trop vite! Garde ton casque, je reprends la moto. Putain, il roule sur ma moto l'enculé! T'as de la chance. T'as de la chance, j'ai pas de flingue sur moi. N'empêche, il a roulé sur ma moto. Putain, le mec il a même pas encore touché sa moto qu'elle démarre déjà. Oups. Je sais pas que ça pouvait faire si mal de se prendre un parcmètre. Je suis concentré, c'est le moment où je lis pas le chat. C'est le moment conduite maximum. À 50 fps. Oh la chute des framerates sur une 1070. On sous-estime toujours ce que bouffe OBS sur le processeur. Enfin, je sous-estime toujours. Grande vitesse. Holy shit! J'ai tué que 8 secondes. En grande vitesse. Putain! Vous aimez ce que vous voyez? Envoyez vos coordonnées au 30. 36-15, oula! Il va falloir qu'on refasse des soirées dont le jeudi soir où... avec le tirage au sort! Le tirage au sort façon Denis Brognard. Ça fait longtemps quand même, vous n'êtes plus reparti avec des jeux. Puis, depuis que Dell, de toute façon, ne fréquente plus les streams, j'ai abandonné l'idée de financer une partie de mes jeux. Comme ça. Oh putain. Si tu parles du sens d'humour dès que t'abordes un peu le bas de la ceinture, c'est normal. C'est ce qui fait rire, saisie de drogue. On ne saisit pas la drogue, on la met dans les narines. Merci. Parlez à Katushka. On parlait de Katushka. C'est pas au contre. C'est pas au contre. Bon, ça se trouve c'était bien là. Ouais, nightclub. Pusher? Bonjour. Did Katushka have any favorite clients? Guys that liked her particularly.
anything like that. You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it, special friends. C'est peut-être ça que je devrais mettre, un chat rose. Ça rapporterait peut-être plus. C'est pas con, je vais penser. Je sais prendre ma voix suave. Bonjour, tu aimes ce que tu vois? Tu aimes le fail. Tu en veux encore? Chen? It's Mr. Chen to you. What do you want? I got a couple questions about Katushka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Le Y. C'est la touche de persuasion. Ça marche toujours avec le gros. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Chen. I didn't know. I have nothing but respect for that son on you. Please, I will help you any way I can. I can help you. We are friends. Friends? Fuck with me, Chan. Okay, okay. We had an arrangement. I arrangement. Paid for her apartment. We had a deal. Got her clothes. I didn't arrange this, man. She was. Il a la gueule aussi expressive que celle de Hillary Clinton en ce moment. Not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. Graz, il s'est offert de téléphone pour les personnes gentilles. I cannot marry her. Graz, appelle-moi. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, c'est Graz, là. Un problème informatique? Bien sûr. Sortez du keybar par la porte de derrière. Il y a une métaphore là-dessus, non? On est dans un bar à pute. Tu vois rien avec tes putains d'yeux, plus ces connards d'assiette. Putain, on va avoir des problèmes. Tu peux pas dire des choses comme ça, Graz. Tu pourras te lâcher pendant le stream Mafia 3, puisque ce sera dans l'ambiance. Putain, j'ai entendu une barre de fer. La barre de fer. Non, c'est pas par là, il y a des barbelés, connard. Par là, peut-être. Hop. Par là, il y a des caisses, mais oui, mais c'est sûr. Putain, saute. Saute. Fluidité. Fluidité. Putain, il faut crocheter la serrure. Je pensais faire le beau gosse. Le crochetage, c'est justement un peu comme dans Mafia 2. Ça ressemble à ça, le crochetage, dans Mafia 2. Je l'ai refait il y a pas longtemps. Moi, je m'en souviens. Et voilà, c'est ouvert. J'avoue, j'ai un esprit putain de pourri là-dessus. J'en suis très énervé. L'appartement pour y trouver des indices. Vous ne trouvez rien d'intéressant, tu m'étonnes. C'est un téléphone, connard. C'est un ordinateur, je cherche. Je peux pas sauter au-dessus de la chaise renversée, normal. Les fameux Invisible Walls. Vous photographiez des documents sur le frigo, c'était vachement intéressant. Ah non, faut que je le photographie. Je croyais qu'il était en train de me dire ce que je faisais. Allez, prends une photo. Comment tu décris ça au départ dans ta jeunesse? Très bien. Et regarde le stream en plus. Fais gaffe. Appelez Tang. Tang, it's way. Non, c'est horrible. Maman, tu as aimé mon stream? Ça te parle? I'll call you back. Tu as vu comme j'ai mal grandi? Tu as vu, je suis quelqu'un dans la vie maintenant. Je parle tout seul sur internet. Le numéro appartient à Yarkwai Lai, Fisherman Lai. Il est affilié avec 18K. Il roule un nombre de businesses sur le waterfront. Si t'insultes trois communautés, dont la tienne, t'es parasite, putain. C'est facile d'avoir l'immunité avec toi. Putain, j'ose même pas répéter ce que t'as écrit juste en haut, Graz. Tu vas trop loin, on va avoir des problèmes. Je vais avoir tout le monde sur le dos. La HALD, le CRAN, le CRIF, l'UOIF. Il y a encore beaucoup, hein, des assos comme ça. Des assos de merde. Des assos de merde. Pléonasme. Bon, logiquement, on va attaquer la dernière mission si les comptes sont bons. J'en suis où dans les stats? 28 sur 30, non, il m'en reste 2. Il m'en reste 2 et putain, et 20 minutes pour en faire 2, j'ai pris du retard de ouf. J'ai pris du retard, Maître Chang. Elle sort de cet appart, connard.
Il est assez rigide quand même. Oh ! Non, ce n'est pas du tout un iMac. Alors ça va, de loin ça ressemble. La halle, non, je fais pas de discrimination. Je crache sur la race humaine. Peu importe la couleur de peau, vous êtes tous des connards. Dis-moi que ma prochaine mission est à côté. Ouais, elle est plus ou moins à côté. Piste kidnappeur 2. C'est tout. Tout ça pour retrouver un putain de kidnappeur. Hey, je suis de retour dans la boîte de nuit. Le goulag, il s'appelle. Non, c'est vrai, en plus, c'est vrai, il s'appelle le goulag. Non. Non, 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 non. Oh, oui, non, ça me botte bien. Un massage intégral, excusez-moi. J'ai 2 secondes, tant qu'à faire. Ouais. Et encore plus rapide que moi. Non, j'aimerais bien sortir. Je sais même pas pourquoi je suis rentré ici. Je sais, pour prendre la sortie principale. C'est vrai que ça choque personne de voir Rico se balader en ville. Oh putain, il y a une bagnole qui a popé. Elle est tombée du ciel, littéralement. Hé. Je te tire par la mâchoire. Oh, c'est bien une bonne bagnole qui tire. C'est quoi ce carnage? Je vais avoir une course poursuite. Ça va pas le faire. Oh putain. Freinage instantané. Putain, faut que je m'habille comme un flambeur. Comme un Mac, quoi. Oh, c'est bon, Nightbot. Tu l'as déjà dit. Te répète pas, s'il te plaît. Allez, jusqu'au quai. H qui conduit, c'est très bien. Pourquoi t'as pas la version définitive? La meuf serait peut-être pas regardable. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une différence de graphisme absolument démentielle. Qui fait plus de morts que criminel. Ouais, enfin, techniquement, je suis un filtre infiltré. Un flic infiltré, donc je suis aussi un connard, quelque part. Ça, c'est du chassé. Demain 9h, ouais. 9h ou 9h21h? Si c'est 9h, ça va être compliqué. Il y a les gens qui bossent. Trouver un bateau. Seems legit. Oups. Ouais. Sortir. Oh! Allez, John Woo! Putain. Non, c'est bon, c'était pas de l'eau. Il y a un coffre là, et il y a plein de jolis bateaux. Il y a énormément de trucs à découvrir dans le jeu, c'est assez dingue quand on y pense. Montez à bord. 9h du mat. Avec ma matraque. C'est gentil de diffuser des trucs qui ne font pas du tout préjudice. Hey le Samy, bienvenue à toi mon ami. Mon amour. Le Samy. Homme de goût devant l'éternel. Forza Horizon 3, ma gueule, bientôt. Ouais, j'ai tué 254 civils, j'étais infiltré, effectivement, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Maintenez pour vous amarrer. Ce que je fais. J'ai du mal à... Ouais, c'est l'anglais qui doit pas être bon, on va dire ça.
Vas-y, me casse pas les couilles, je suis dessus là. Nope. C'est bon, il est amarré là. Ah, il est amarré. Oh. Je pensais qu'on pouvait pas nager, tiens. Apparemment, si, on peut quand même nager un peu. Ça faisait... Ouais, ça faisait putain de bail. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était sur l'Xbox Live. Good evening, sir. How you doing? Et bah, je streamerai de toute façon la version finale. Alors justement pour toi, j'allais dire pour ceux qui ont une Xbox One, mais il y a le Forza Hub machin ou Forza Reward, je sais plus, qui retrace tout ce que t'as fait dans tous les Forza, qui te donne des points pour ça et des crédits, des bagnoles, et ça va concerner donc notamment également aussi Forza Horizon 3. Bonjour madame. Il est passé où ton Steam Controller? Il est passé juste ici. Je l'utilise principalement le Steam Controller quand je suis sur le Steam Link. Puisqu'il est branché sur le Steam Link. Cool, encore une statue. Pour apprendre de nouveaux coups. T'as vu que le Steam Link est dans le salon, de l'autre côté. Ici, quand je suis en ligne, non, j'utilise principalement le pad 300, ouais, 360. Des fois, j'alterne avec le One. Avec le... Alors, le problème, c'est qu'il faut le petit dongle qui est pas du tout discret, comme vous pouvez le voir. Rejoignez la partie de Mahjong. Ça tombe bien, je sais pas du tout jouer à ça. Mise 500. Putain, c'est déjà beaucoup. Ça se joue comment cette merde? Je connais même pas les règles. Voulez-vous vraiment annuler, non? Quoi, il faut que je pousse tout là? J'ai pas compris. Ah, c'est un échec. Ok. J'ai cru comprendre, c'est comme un coup de poker. Ça tombe bien, je sais pas jouer au poker non plus. Je perds ma mise à chaque fois, donc. Alors, il faut que je fasse quoi? Oui, il a 4-1-1. L'adversaire a 2 paires. Je vois qu'une paire. Ah oui, non. Enfin, il en a mise, donc il est... Hop, hop, hop. Moi, il faut que je garde ça. Là, j'ai 2 paires, on est d'accord. Donc, je vais tâcher ça. Tour 3 sur 3. Moi, j'ai 2 paires. Pour quelqu'un qui n'a pas compris les règles, je vais pas rejouer. Voulez-vous vraiment annuler? Oui. Dis pas que j'ai perdu. De quoi j'ai perdu? Garde tout. En fait, je suis obligé de jouer deux fois. J'ai l'impression que ça va pète pour ce soir, la fin du jeu. Alors qu'il y a une mouche sur mon écran. Donc je garde les deux. Je bazarde ça, ça n'a aucun intérêt. Je bazarde ça. Pourquoi t'as jeté un brelan? Je ne sais même pas ce qu'est un brelan. Je vire ça. Tac. On a deux paires tous les deux. Le problème, c'est qu'avec le décalage du stream... Là, je suis bien, là. Je vais jeter ça. Non, je vais garder ça. Je vais jeter ça. J'ai full. Je sais pas ce que c'est. J'ai toujours full. Ah, mais l'adversaire a full aussi, putain. 5-5, 4-4, ouais donc Brelan c'est 3 identiques, d'accord. Donc j'ai 3 identiques toujours.
Et moi j'ai carré. A priori j'ai gagné. Faut que je continue à jouer. Pour relancer trois identiques. Donc j'ai trois identiques là, c'est cool. J'ai acheté ça. Ah, j'ai une grosse moulée. Tac, tac, ça c'est bien. Tac. J'ai un full. J'ai encore gagné. What are you bet against the hot Russian blonde? A blonde? Yeah. Got this girl over at K-Bar. Very hot. And she's, you might say, in my debt. You win this hand, I deliver her to you. You crazy? You want a better girl? What am I going to do with her if I win her? She's a league. Faut puer du coup, mais c'est songe pas vendre d'eau. Oh yeah? Full, c'est brûlant plus peur. J'y connais rien en poker. Je suis très peu fan de Patrick Bruel. Vous avez parié, il y a essayé de perdre. Putain, maintenant, il va falloir que je perde. Moi, je vais me débarrasser de tout. Il faut bien que je perde, on est d'accord. Donc, je vais virer... Tac. Je vais juste garder 4-6. J'ai une paire, donc je vais dégager ça. Il faut que je perde. Too bad for you. Bring the girl to the docks at Central. Come play again. Maybe next time I win twins. J'ai compris ce qu'il voulait faire. Bring the girl, motherfucker. Bring the girl. Allez, viens, Ileana. Ileana, it's Wade. Did you find her? Not yet, but I found a man who may have her. And what are you going to do next? I arranged him to take another girl. I'll follow him and see if he leads us to Katushka. Another girl? You're talking about me, aren't you? You're talking about me. Here we go. Wait, 10h20, on a le temps de faire rapidos la dernière mission. Piste Kidnapper 3, en espérant... putain, je suis à l'autre bout du monde, là. Ce que je vais faire, pareil. Je vais faire ça. Ce sera plus rapide. Non, pas nouvelle partie. Oh, je vais tout effacer. Bon, allez, je vous laisse, les filles. J'ai assez pourri le stream. Ah non, mais c'est toujours un plaisir de te lire, Graz. Au moins, tu m'as aidé. Tu m'as fait comprendre le jeu. Alors j'ai réussi, effectivement, grâce à ma chatte immonde. Mais non, c'est toujours un plaisir de t'avoir, bien évidemment. Donc je vais aller au garage, parce que t'as l'air de supposer que j'ai des bagnoles, mais non, j'en ai pas. Si, t'as raison. Et donc on va faire la dernière, the last mission, logiquement, qui évidemment est au bout de la map, sinon ce serait pas marrant. Clum, clum, clum. Oh. Oh. Le mec qui s'écoule le système du garage de la dernière mission, ouais, c'est tout bon. Surtout que c'est le système qui est commun à peu près tous les open world. Il fait chier comme la dernière mission l'avoir mise aussi loin. Wow. Ça fait faire mal. Juste failli. Ouh, joli saut. 24 mètres, je me suis classé 9e. Toujours pas assez. Pop,
Avance. Oh, tu peux crafter dans Minecraft techniquement après 5 minutes de jeu, non? Alors j'ai un pigeon Minecraft. Ah oui, non, d'accord, ok, t'étais en train de dire que je découvrais le truc. Non, c'est juste j'avais pas remarqué parce que ça brillait pas. J'ai aucune excuse, je sais, j'en ai aucune excuse. Là, j'ai aucune excuse non plus pour avoir loupé ma sortie. Oh, pop. Oh merde, putain, me casse les couilles. Oui, ça va, la sortie est là. Et pas non plus toujours ultra visible. Retrouver Ilana près des quais. Je veux bien, mais la moto avance plus. Je suis censé y aller à pied, d'accord. Peut-être. Bonjour, Ilana. Yes. I'm gonna put a tracking device on you. I should be able to follow you wherever you go. Okay. Ça c'est fou pour jouer 30 heures à Minecraft. Il y en a qui joue énormément à Minecraft. Thanks, Wei. I really appreciate your help. I know Katushka. Se nourrir dans un jeu de survie et l'apprendre à la fin, c'est un peu embêtant pour aller jusqu'au bout du jeu. Tiens, ouais, enfin, je stream aussi du Dying Light un jour. Oh putain, ça fait beaucoup. Amener Ilana à Yar King Wang. Ça, heureusement, il est juste à côté. Je me dis, je vais mettre un film de boule en mettant celui du stream. This your friend? I told her you'd help. Bientôt, tout doux. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Photographier le kidnappeur. Hey! Prenez la moto d'Ilana. Putain, alors j'ai 40 secondes pour. Putain. J'aime pas les trucs timés comme ça. Non, ça va, c'est jouable. Comme je la rattrape, Ilana. Sleeping Dogs, aka Dating Simulator. Pop. C'est malin. Ça va être un truc à étape pour la dernière mission. Je sens beaucoup une maison. Ça se trouve, c'est la dernière. Ça se trouve, c'est même pas la dernière mission. Je suis la logique de la numérotation des missions. Ça se trouve, il y a la épilogue, bonus. C'est sûr que ça allait continuer. Hop! Oh putain, je déconne grave là. Oh. Je passe tout juste. Hey, il est où, point d'observation? Oh merde, j'ai loupé. Putain, il était là-haut. 30 secondes. Dégage. Putain. Oh l'enculé. Putain l'enculé. Oh la caméra. Allez. 16. Putain, c'était juste. Ouh. Attendez l'arrivée du bateau. Trouvez un bateau.
Ça va, il y a un bateau juste en dessous. Stresse pas. Le mec il saute dedans, mais latéralement quoi. Alors j'ai compris le principe d'accostage avec le bateau, heureusement. Je suis pas censé accoster là. Nager à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il m'a parlé d'accoster. Putain. Il y a une espèce d'égout. Ouais, alors t'es plus motard que moi. J'ai abandonné très jeune. Mais effectivement, la conduite, en tout cas, pas dans main, la conduite de moto est vraiment extrêmement nerveuse. Et c'est vachement sympa. Ah, c'est pareil, c'est un mini-jeu, ça, c'est facile. Faut juste pas se louper, sinon t'es bon pour faire un tour de cadran. Hop là, c'est ouvert. C'est aussi con que ça. Vraiment très con. Ah, là, ça veut dire qu'il va y avoir gunfight. Hé, hey, couteau, pourquoi couteau alors qu'il y a un flingue? Voilà, c'est tout de suite mieux. Salut. Je vous sauve. Et là, il y a tous les gros relous qui vont appliquer. Et ça va être gunfight de la moelle. Il y en a un qui reste bloqué sur la porte. Au niveau de la porte. Et putain, il y a le script qui s'est pas déclenché. Quel con. Putain, il a pas passé la porte. Ah si. C'est bon. C'est discret. Deux qui vont débarquer de l'autre porte. Ou pas. Ah, c'est dégueulasse, c'est moi qui ai dû ouvrir la porte. C'est bon, libération de prisonnière. I'll get you out of here, all right? Relax. Yeah. Relax. Can you get us out of here? Maybe. Give me a second. Histoire obscure de vol de filles. You're not like the others, Wei. Oh non, t'es bien mieux que tous les autres, Wei. Wei is the most decent gangster I know. I told you he would save us. We snatched up Fisherman Lai and his entire gang. Plus 22 women they were holding in two other locations. This is one of those cases nobody was paying attention to. If you hadn't cracked it, every one of those girls would have been forced into prostitution. Or worse. You've made a real difference, Officer Shen. Ah, cette tête de beau gosse. I have open. I won't need you again for a while. Keep safe, Wei. And good luck. And good luck. Succès déverrouillé, affaire classée, puisque j'ai donc fini le jeu. Alors, par contre, je suis... Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de générique, de machin, c'est vraiment... j'ai trouvé ça vraiment super abrupt, là pour le coup, comme fin. Mais c'était bien en tout cas le dernier... j'essaie de retrouver mon pad. Il regarde l'heure, comme s'il était pressé. Eh bien oui, il a beau ne pas être pressé. Alors, hop, je rebascule directement. C'est donc sur... Bon, enfin, cette belle chose... Non, la fin est toute pourrie, ça arrive... putain, ça arrive tout d'un coup, tu libères trois filles, tu donnes deux coups de feu...
Voilà, ouais. Tu as bien fait, on avait besoin de quelqu'un comme toi pour libérer les filles. Tu es vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. On te remercie. Allez, maintenant faut pas rester là. Bisous. Au fait, si t'as encore envie de jouer, le jeu reste disponible, la map est là. Fais-toi plaisir. C'était assez particulier, vous en conviendrez. Bref, un peu moins d'11 heures. Non, 10h30. En fait, c'est moi qui suis parti complètement dans le truc. 10h30, ça tombe bien. C'est ce que j'avais donc visé pour ce soir. Encore une fois, pas que je sois mal en votre compagnie, bien loin de là. Mais demain, je me lève très très tôt pour travailler. Donc voilà, les streams, grosso modo, le lundi soir et le jeudi soir, dureront entre 1h30 et 2h. Selon la durée du jeu, c'est-à-dire si j'avais encore eu des missions à faire, j'aurais poussé un petit peu. Mais étant donné que je n'ai plus rien à montrer sur ce jeu, que je finis là, à l'instant, devant vos yeux, et j'en suis très fier. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce stream. Restez connectés quelques instants, comme d'habitude, après le générique. Je vais me permettre de faire un petit host sur une chaîne que j'aime bien. Donc voilà, faites un coucou, ça fait toujours plaisir, et puis ça crédibilise un peu la chaîne, en tout cas. Ça montre que je fais pas un host pour 2 followers, ou 2 spectateurs. C'est toujours sympa. Donc voilà, générique pour se quitter avec, avec le matos, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir, merci d'avoir suivi ce stream, je vous embrasse très très fort et rendez-vous donc à partir de jeudi soir 21h pour un tout nouveau stream qui commencera toujours à 21h, vous en avez l'habitude. C'est beau la vie. Un petit stream sur la démo de Forza, tout à fait, jeudi soir. A priori ce sera sur la démo de Forza Nax. N'hésitez pas en tout cas à demander si vous avez des suggestions. Postez-les directement sur YouTube, sur le chat ou sur Skype pour tous ceux qui font partie du groupe Skype. Merci encore une fois, dans un instant, host. Merci d'avoir suivi ce stream. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse.